Oui, bonjour, je suis bien à la bijouterie. D'accord, bonjour. Alors, je me présente, je suis capitaine Soap du 3e régiment de l'infanterie de l'armée de terre française. J'ai récemment déposé mon FAMAS pour que vous y déposiez un camouflage or dessus. Ah non, c'est pas du tout, pas du tout. Vous Ah. vous trompez de numéro, monsieur. Ah non, c'est bien vous, Christophe Rupassi. Ah bah, c'est chez vous que mon FAMAS a été déposé. Ah, je pense pas, non. Ah bah monsieur, c'est marqué sur mon papier là. Hein. Vous avez déposé un FAMAS. Oui, pour que vous y mettiez un camouflage or dessus. Non, je ne pense pas, monsieur. Ah bah écoutez, la facture a été faite, normalement j'ai juste à venir le chercher. Votre nom, monsieur? Soap. SOAP. S-O-A-P. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez, je pars en mission en début de soirée. Donc j'aurais besoin de mon arme en fait. Bien sûr. Ça m'étonnerait. Enfin, on ne fait pas de camouflage or sur des fusils, monsieur. Ah bah là on avait vous enfin les autorités vous avaient demandé, paraît-il, et vous aviez dit oui. Et vous aviez dit qu'il serait prêt pour samedi. Dans ce cas, Alors, je ne pense pas, monsieur. ah bah écoutez, mes supérieurs m'ont donné votre adresse, comme quoi vous avez livré mon FAMAS chez vous. Donc si vous l'avez pas, c'est ça se trouve que vous l'avez perdu, et dans ce cas-là, bah là ça devient très grave parce que la sécurité Non, du mais je ne territoire crois est en pas, jeu. monsieur. Non, il n'y a aucune chance que ce soit fait, monsieur, ce genre de choses. Nous, on fait de l'argent, donc Ah bah alors c'était un camouflage argent, je sais pas moi. Après c'est pas moi qui m'occupe. Non, on fait pas de. Alors, je vois pas pourquoi votre fusil devrait être camouflé argent, mais. Ah bah si monsieur, c'est pour partir en mission, c'est secret défense, ça. Je peux pas vous divulguer de plus d'informations. D'accord, mais alors, ici, vous n'êtes pas au siège. Alors, je pense que ce genre de choses auraient été transférées à notre siège, au 9 rue Royale. Oui, mais je les ai Et appelés, ils répondent sûrement pas pas. dans une boutique annexe, monsieur, hein. Ah non non non, c'est rue Passy. Oui, mais je ne pense pas que ce genre de choses aurait été pris en charge sur une boutique annexe, c'est-à-dire chez nous, on aurait transféré ça à notre siège. Parce que nous, quand on vous avait appelé il y a longtemps, vous nous aviez dit que, enfin, votre siège vous nous avait dit que c'est vous qui le feriez. Non, non, pas du tout. De toute manière, c'est transmis à notre. Alors, toutes les réparations ou les choses comme ça Ah oui, sont mais transmises dans ce à cas. notre atelier, à l'usine en Normandie. Donc, de toute Mais manière. dans ce cas-là, comment je fais sans mon arme, moi? Bah écoutez, ça m'étonnerait que vous vous sépariez de votre arme comme ça, de toute manière, Ah bah si si, on vous est, on Et vous vous. êtes dans quel coin, monsieur? Moi je suis sur Paris. Bah écoutez, je vous invite à passer à la rue de Passy avec votre papier. Vous devez avoir un papier de réparation avec un devis, avec quelque chose. Je vous invite à Ouais sans revenir. doute, mais le problème c'est que si j'arrive, faudra que je l'aie tout de suite pour partir en mission. Notre avion il décolle dans 1 heure. Non, mais c'est impossible, ça, monsieur. Ah bah si monsieur. Donc ça veut Non, dire mais que vous. vous auriez perdu le Non, FAMAS. non, 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 on n'a rien perdu du tout, monsieur. Il n'y a aucune trace de votre nom, ni de ce genre de choses, ni des Ah bah c'est reliefs. normal, vous comprenez bien que c'est un peu secret défense hein, de mettre des Non, bah, camouflages or sur un. si, alors, si c'est secret défense, je vois pas pourquoi ça passerait directement dans une boutique annexe. Ici, si nous sommes trois ou quatre à travailler, et tout le monde Ah est bah au courant, justement, ça faut serait pas que tout le monde suspect. soit au courant, 3-4 personnes, ça Non, suffit amplement. mais voilà, donc on est trois ou quatre personnes à travailler. Donc, de toute manière, on ne touche pas aux armes chez nous. Il n'y a aucune raison qu'on argente une arme. Ouais, mais écoutez, monsieur, il va y avoir un problème là, parce que moi, sans arme, je Bah risque. écoutez, excusez-moi, mais vous vous préoccupez de votre arme 1 heure avant de partir en mission. C'est normal, parce que je Ça me compte. paraît curieux. C'était prévu que je la récupère aujourd'hui. Oui, mais je sais pas auprès de qui c'était prévu. Ah, bah, auprès de chez vous, de vous. Mais non, 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 je pense pas, non. Ah, bah, si, donc, il va falloir trouver quelque chose, une solution, monsieur, parce que là, la sécurité du territoire est en jeu, là. Appelez vos supérieurs qui nous appellent à ce moment-là. Bah oui, mais mes supérieurs, ils vont partir avec moi en mission, monsieur. Non, bah, il doit y avoir des supérieurs qui doivent rester. Ah non, 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 on part tous, Ah, y a ils un partent déplacement de la tous. caserne, là. Ah, ils partent tous. Oui. Ah bon, la caserne est vide. Bah, elle va bientôt être vide. Ah bon. C'est ennuyeux, ça. C'est fort ennuyeux. Eh bah, je vous le fais pas dire. Parce que si on arrive avec les tanks en même temps qu'on part en mission devant votre boutique. Avec plaisir. Comme ça, on pourra fouiller la boutique pour voir s'il est pas Sans caché aucun dans. problème. Maintenant, les tanks vont être passés. Il y a beaucoup de travaux en ce moment. Je pense que les tanks, ils ont du mal à passer. Ah non, mais on lance un petit missile et puis y a pas de problème, hein. D'accord. On vous attend.
Mais donc on va, enfin, on risque de fouiller votre bijouterie, ça ne vous pose pas de problème. Alors, c'est pas une bijouterie, hein, monsieur. Alors, Ah bah, vous êtes Christophe. oui, mais on n'est pas une bijouterie, monsieur. Vous êtes quoi? On est orfèvre. Orfèvre, oui, bah, c'est la même chose. Ah non, 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 c'est pas la même chose, monsieur. Ah bon? Eh bah, écoutez, de toute façon, on arrive, hein, parce que sans FAMAS, vous voyez, bah, c'est la mort assurée pour moi, vous voyez. Bah, si vous avez des tanks, ça devrait être déjà pas de mal. Ah bah oui, mais moi, je suis un fantassin. Ah bah oui, moi je ne sais pas conduire des tanks, vous voyez. Donc, Bah écoutez, on vous attend, monsieur, sans problème. Vous avez mais notre adresse? oui, on a l'adresse. Mais donc, mais le FAMAS, il est pas chez vous. Ah non, jamais, non. Non, non, on ne touche pas aux armes chez nous. Non mais écoutez, monsieur, forcément qu'il est chez vous. Non, alors de toute manière, toutes les réparations partent dans notre usine, dans notre atelier qui ne se situe pas dans notre magasin. Ah bah ça, on le Vous voyez savait bien? pas, ça. Bah, on n'est pas un atelier, on est une boutique, donc c'est sûr qu'on répare pas des Vous choses. avez pas un atelier dans la boutique? Ah non, on n'a pas d'atelier dans la boutique. On ne fabrique pas nos articles en magasin. On est une usine, on est une marque, je ne sais pas si vous connaissez Christophe. Ah On bah est une si, marque si. mondialement reconnue. Et donc, on ne fabrique pas dans une boutique. Ah bah là, votre On réputation fabrique. va baisser, hein, étant donné que Bah là, écoutez, on la fournit tous les sécurité ans du 29 000 territoire commandes. français Bah, il n'y a pas de est problème. en danger là, hein. Je pense que le monde entier connaît Christophe, tous les ambassades connaissent Christophe, tous les ambassades se fournissent chez Ah bah, mais vous Christophe. serez responsable de la Qui suis-je? capitulation de la France? Mais écoutez, prévenez-nous à ce moment-là, monsieur François Hollande, qui se fournit également chez Christophe, il n'y a aucun Ah, problème. il fournit Flambie Ah, chez Christophe. l'Élysée et Matignon se fournissent chez Christophe, monsieur. Tous les Et ambassades du monde entier se fournissent chez Christophe, je ils vous prennent rassure. quoi? Ils prennent quoi Hollande chez vous? Bah écoutez, vous leur demanderez, Ah, parce que vous savez figurez-vous. pas ce qu'il prend. Ah, moi, je m'occupe pas de ça. Nous, on s'occupe, on est dans une boutique, vous comprenez pas qu'ils se déplacent en magasin. Ah, il se déplace pas en magasin, monsieur Hollande. Ah ouais, mais vous comprenez bien qu'il viendra plus chez vous si jamais vous me donnez pas mon FAMAS. Ah, bah écoutez, je serais curieux de voir ça. Ah bah attendez, capitulation de la France, c'est Bah fini écoutez, là. je pense que vous devez être pressé, vous partez dans une heure, donc on vous attend Ah bah non, de déjà. toute façon j'ai pas mon arme, donc de toute façon je partirai pas tant que j'ai pas mon arme. Alors, vous savez, j'ai tout mon temps. Bah tant que j'ai pas mon arme, je pars pas. Voyez-vous? Bah écoutez, bah alors si vous partez pas, amenez votre papier de réparation avec votre famille, vous devez avoir des documents qui certifient qu'on vous avez déposé quelque chose chez nous, ou vos supérieurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va arriver, vous aurez pas notre arme. Mais bon, Mon, bah, de mon... toute façon vous n'êtes pas pressé, donc c'est pas grave, mais on va rechercher tout ça, monsieur. Mais vous voyez bien qu'on va devoir, on va être obligé de détruire votre boutique avec nos tanks là. Bah écoutez, bah on va voir ça, écoutez, c'est malheureux à dire, mais on verra ça, je vous en prie. Il y a des Vous venez, habitations on vous au-dessus de chez attend, vous? monsieur. Comment? Il y a des habitations au-dessus de chez vous? Bah, je sais pas, vous connaissez Paris, non? Bah ouais. Bon, bah, non, je sais pas, vous vous doutez bien comment c'est fait, Paris. D'accord, bah vous ferez évacuer les habitations en haut et nous on Ah, bah, démolit non, votre. nous ne sommes pas habilités à faire évacuer les habitations, Ah monsieur. bah alors on tirera sur tout ce qui bouge, hein, qu'est-ce que vous voulez? Sans problème. On vous attend. Parce qu'il y a quand même un petit problème, vous vous rendez bien compte. Oui, mais on vous attend, monsieur, il n'y a pas de souci. Donc on arrive, je vous explique. On arrive avec les tanks. D'accord. On démolit tout. D'accord. On regarde dans les gravats si jamais il n'y a pas mon. Et s'il y a mon FAMAS. Si jamais il n'y a pas mon FAMAS, on va s'occuper de votre siège social là, qui est je sais pas où. On va leur tirer un coup de canon. D'accord. Là, si on trouve pas mon FAMAS, on va aller dans votre usine en Normandie. Et puis bah on va essayer de voir si dans les débris on trouve mon FAMAS. D'accord. Et puis bah dans ce cas-là, bah si on le trouve pas non plus, bah votre entreprise sera responsable de la capitulation de la France. D'accord, Bah voilà. sans problème. Bah y a pas de problème. Bah non, il n'y a pas de problème, tout Bah va bien. écoutez, on arrive, essayez de pousser les engins de chantier pour qu'il y ait de la place. On fera pas grand-chose, non. De toute façon, on arrive, on démolit tout. D'accord, à tout de suite. Bah alors, au revoir. À tout de suite, merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bah, ça m'étonnerait, mais enfin, on ne fait pas de camouflage or sur des fusils, monsieur. Excusez-moi, mais vous vous préoccupez de votre arme une heure avant de partir? Si tu as aimé ce canular, laisse un com, un pouce bleu ou abonne-toi, ça me ferait plaisir. Chou.